Ceci ne vous rappelle rien? Ça devrait, pourtant. Vous voulez peut-être que je vous dise ce qu'on a trouvé dedans? Ça va me coûter quoi? On n'a plus le temps. Oh, ça ne vous coûtera rien, sergent. Ce téléphone contenait des informations sur un trafiquant d'armes russes appelé Amir Kafarov. Il était en bon terme avec votre vieil ami Al-Bashir. Est-ce que vous saviez... Il nous fait perdre notre temps. Je suis désolé, j'avais pas réalisé que j'avais terminé de parler. Est-ce que vous saviez que Kafarov et Al-Bashir étaient associés? Tout ce que je sais, c'est qu'on a été redéployés à cause des infos venant de ce téléphone. Où est-ce que c'était? Au nord de l'Iran. Kafarov était censé se trouver là-bas avec les bombes. Censé, vous dites? Personne d'autre n'a entendu les aveux d'Al-Bashir. On ne sait même pas où il a eu ce téléphone. Écoutez-moi, il faut qu'on arrête Solomon. On vous a confirmé qu'il était ici. C'est bien beau tout ça, sergent, mais il nous manque encore quelques informations. Disons que vous avez un gros problème de crédibilité sur le point suivant. Ça va. Kafarov avait une villa dans la vallée de Gilad. On se rendait là-bas, mais ça a mal tourné. Ok, le complexe de Kafarov est de l'autre côté de cette vallée, après le pont de Gilad. D'où il sort ce Gus? Du téléphone d'Al-Bashir, trafiquant d'armes. On sait rien d'autre? On sait rien d'autre. Il a peut-être un rapport avec les bombes nucléaires. À tous les misfits, je dis à tous les misfits d'aller rejoindre un 6 sur la route rouge. Ils engagent l'ennemi. Terminé. Bien reçu. On sait combien il y en a? Un 3, j'ai pas d'autres informations. Terminé. Super. Hé, hey, Matkovitch, réveille-toi! Allez, t'as assez dormi comme ça! Rien? 34 minutes? J'ai oublié 34 minutes? J'étais en train de siroter un milkshake. Ouvre-toi, c'est un signe! Attention, il y a une embuscade! Ça vient des arbres! Véhicule HS! À gauche, à gauche! Ennemi derrière le rocher! Non. Misfit leader ici à 3! Subissons des tirs nourris! 2-3 est touché, avant engager l'ennemi! Je suis coincé! Bordel de merde! C'est des para-russes! De vrais russes, c'est quoi ce bordel? Peut-être qu'ils bossent pour Kafarov. Ouais, mais une chose est sûre, ils sont légèrement plus nombreux que nous. N'oubliez pas la mission, les gars. Les bombes. C'est Misfit. Faut qu'on leur en parle! Putain! Un transport russe! Quelle bordel de merde! On pourra jamais passer! Y'a aucun moyen! Là-bas, y'a des unités ennemies qui se préparent. La plaque irait être jouable. Chef, qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont là pour la même raison que nous, sergent. On est en guerre contre les Russes? C'est ça que ça veut dire? Ils vous en tirez dessus? Ouais. Vous êtes autorisé à riposter en cas d'attaque, mais on n'est pas en guerre. Pas tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, chef. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit les premiers.
D'après vous, qu'est-ce que les Russes font là? Ils couvrent leurs arrières. On sait qu'ils sont en Ok, putain, on va finir une guerre en en commençant une autre. C'est de la folie furieuse. Comtesse, t'as entendu les ordres? Bouge-toi! On passera jamais. Y a pas moyen. En position, préparez-vous. Cible en vue. Coaxial. On se disperse vite, putain! Cible empêchée! À couvert! Ils arrivent! Passez sur les flancs! Position! Continuez de tirer! D'autres parachutistes qui arrivent par la crête! Tire de suppression! Gardez vos positions! Nous devons arriver de l'autre côté de la vallée le plus vite possible. De source sûre, nous savons que l'infanterie russe se dirige vers le nord. Elle s'approche de l'endroit où Kafarov est localisé. Il nous faut cet homme. C'est le but de cette mission. Nous allons nous rendre au prochain point de passage, c'est clair ? Contact, contact, les arbres devant nous. Troupes à découvert, 200, tir rapide. Ennemi à couvert, devant ! Avancez en colonne, ouvrez l'œil. Bien sûr. Suivez-moi, allez.
Mitrailleuse montée, à droite, à droite! Déployez-vous sur le flanc droit, tir de couverture! Fais les sauter! À l'attaque! À droite! Tir de suppression! Surveillez vos secteurs! Je vois! D'enfilade, où on va y rester? Blindé parachuté! Deux autres BMD! Blindé en mouvement!
On y va! Soldats d'infanterie en vue! Ils se dirigent droit sur nous! Je les vois! Blackburn! Surveille ton secteur! Couvre, Matsovitch! Contact! Droit devant! Sergent Campo, occupez-vous de ça. Chef, on n'est pas équipé pour affronter les Russes. Vous devriez y réfléchir sérieusement. C'est une guerre de mouvement, sergent. Alors si ça vous plaît pas, allez donc rejoindre l'Air Force. Messieurs, j'ai toujours pu compter sur vous jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis persuadé que vous accomplirez cette mission, ok? Nous le ferons, chef. Non, Steve, désolé, mais je crois que c'est vraiment pas raisonnable. On se fourre le doigt dans l'œil en acceptant de... Sergent Campo, Blackburn, je peux compter sur vous, oui ou non? Je vois un chasseur! C'est un des nôtres, non? Merde! Il nous a vus! Il nous a repérés! Merde, il fait demi-tour! Oh putain, merde, il revient! Allez, on dégage! On peut rien faire, on est à l'entrée! Ils sont où, les Stingers? Dans les véhicules! Merde! Oh putain, leur voilà! On est foutus! Les Stingers étaient dans le VBL! C'était les derniers! On peut les prendre? Il va falloir! Allez, merde, on y va! Vite, vite, il arrive! Avancez! Je peux rien faire! Blackburn! Montes! Regarde dans le crawler! Allez, Matkovitch! Go, go, go! Est-ce que tu le vois? Ouais, mais il est coincé! Oh merde! Il arrive! Restez planqué! Arme-le! Tu peux pouvoir l'avoir! C'est une ordure, Steve. Une ordure. Ok, j'ai ce que vous pensez. Il serait peut-être encore en vie si j'avais agi autrement. Nous sommes en guerre. Et à chaque guerre, des soldats meurent. Mais nous, nous avons une mission à accomplir. Nous devons trouver Kafarov avec ou sans les bombes et être les premiers à le trouver. C'est terminé. Nous, maintenant, c'est sans toi, Steve. À vous de décider. Vous venez avec moi ?